Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. C'est la dernière vidéo que je tourne en 2019, mais pour vous ce sera la première vidéo de 2020. Du coup j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020. Je suis sûr qu'elle va être bien chargée comme il faut sur l'actu Dragon Ball. Dans cette vidéo, on va ouvrir 8 packs Dragon Ball Super Card Game, le JE04 qui me permettra d'obtenir les cartes variantes, mais vous comprendrez mieux tout à l'heure. Avant de commencer, on va faire un léger bilan sur mon année 2019 sur YouTube. Vous le voyez, il n'y a que 3 lignes, ça va être rapide. J'ai fait pas moins de 75 vidéos, les amis. J'y crois pas, je pensais pas en avoir fait autant. 75 vidéos, ça correspond à 332 800 vues. Pour moi, c'est énorme. Certains font ça avec une seule vidéo, voire beaucoup plus. Mais pour moi, je suis super content. Et c'est 332 800 vues. C'est vous les amis, ça me fait extrêmement plaisir, donc 1000 fois merci. Non, 332 800 fois merci. Et pour ce qui est des abonnés, en 2019, j'ai gagné 1914 abonnés. Donc 1914 fois merci également. Je suis très content que vous ayez rejoint ma communauté et ma chaîne YouTube. J'espère que vous resterez en ma compagnie en 2020 et que la communauté va s'agrandir. Je ferai encore plein de vidéos. Donc voilà, maintenant les vannes sont ouvertes, on peut commencer l'année 2020. Comme je le disais, on va ouvrir 8 packs comme celui-ci. Donc je l'ai déjà ouvert en vidéo avec la box anniversaire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien à la fin de la vidéo. Mais ne perdons pas de temps, on se met sous la caméra et on découvre ça tout de suite. Les 8 Premium Pack 02 sont là. Donc à l'intérieur, vous le verrez, il y a un gros paquet de 36 cartes. Ça, vous l'avez déjà vu dans mon ancienne vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est le petit paquet de cartes pour pouvoir avoir ces cartes-là en mode variante. Donc vous le verrez, il y a 6 cartes comme ça en mode commun. Et à la fin des 6 cartes, il y a 2 cartes avec la variante brillance. Donc du coup, on peut obtenir ces cartes en mode commune ou en mode brillante. Et en tout cas, ce sera beaucoup plus parlant en ouvrant la boîte ici. Donc comme je vous l'ai dit, JE04, version française, Premium Pack 02. Et à l'arrière, ça correspond à ce que je vous ai dit, hein, il y a un paquet de 36 cartes et un booster avec 8 cartes, donc 2 foils plus 6 normales. On ouvre ce premier pack et comme vous le voyez, il y a bien les deux paquets et voici le premier paquet. Donc c'est lui qui m'intéresse, hein. Celui-là je m'en fous, je vous l'ai déjà montré en vidéo, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien en fin de vidéo. C'est parti, on peut ouvrir déjà ce premier booster de 8 cartes et on verra à la fin de ce booster les deux cartes en mode variante, du moins si j'arrive à l'ouvrir. Allez, c'est parti, on découvre le contenu de ce premier booster. Nous avons en première carte KB Saiyan, donc en mode normal, hein, vous l'avez compris. Boule à une étoile, Son Gohan, explosion offensive. Broly, l'évolution incontrôlable. Alors celle-ci, je vous la montre, la dernière fois, je l'avais eu en carte brillante. Hop, regardez, donc là, j'avais eu les effets foil sur à certains endroits de la carte. Là, je l'ai en effet normal. On continue avec Janemba, l'épée démoniaque. Attaque surprise du roi Vegeta. Et nous terminons avec du coup les deux cartes avec effet foil. Bon, pas sur toute la surface de la carte, mais voilà, avec les petits effets. Yamcha en quête d'allié, c'est la P077PR. Donc il faut savoir que ce sont des cartes qui existaient déjà, hein. Ce sont déjà à la base des variantes, mais en plus il y a des variantes de variantes. Donc Yamcha en quête d'allié. Et derrière nous avons Objection, celle-ci je l'ai déjà du coup en commune, hop on regarde. Voilà, cette fois j'ai le duo de Jaco en mode brillant et en mode normal. Je passe à 4 cartes en effet brillant, voilà je réunis celles que j'ai eues la fois précédente. Voilà, ça m'en fait 4 différentes avec effet de brillance. Mais de toute façon je ne peux pas avoir le full set puisque là j'ai 8 packs, la dernière fois j'en ai ouvert un, ce qui fait 9. Donc 9 x 2, 18 et il y en a 20 à collectionner. Bon, j'espère juste ne pas avoir trop de doubles. Le second pack, on retrouve exactement le même contenu, hein. Vous voyez, il y a le gros paquet dedans, je le laisse, on s'en fout. Donc cette fois, on commence avec Contrainte de Whis et j'ouvre le paquet. Comme je l'ai dit, Contrainte de Whis en première carte. Nous avons ensuite Kame Sennin Technique Aguerri, KB Saiyan, Boule à une étoile, Son Gohan Explosion Offensive. Donc forcément, on va les avoir plusieurs fois, hein, parce qu'il y en a 20 à collectionner, il y en a 6 par booster. Broly, l'évolution incontrôlable. Et derrière, nous avons cette fois-ci Haricot Magique. Génial, celle-ci, je ne l'ai pas. Donc, c'est la carte avec effet de brillance. C'est la BT1-053 commune. Elle est super belle. Et derrière Haricot Magique, nous avons Fou, le scientifique. Mon Dieu, comme elle est belle. Alors là, franchement, c'est une très, très belle carte. Je suis bien content de l'avoir. C'est la carte promotionnelle 0,36, magnifique. Et nous en sommes à 6 cartes différentes avec effet de brillance. Oh là là, franchement, celle-ci, je suis fan. C'est le troisième Premium Pack. Nous avons KB collaboration entre Saiyan en première carte. Allez, je l'ouvre. Très belle carte de KB, la numéro 41 PR. Son Goku pacificateur
anticipation de Hit, Freezer, l'invasion du mal, haricot magique que nous venons justement d'avoir en carte brillante. Fou, pareil, on vient juste de l'avoir en carte brillante, même en carte normale elle est belle, hein. Franchement elle est magnifique cette carte. Et derrière nous découvrons Son Gohan, explosion offensive en carte brillante, c'est la P049 PR, et avec Gohan nous avons Broly, l'évolution incontrôlable, donc celle-ci je l'ai déjà eue et malheureusement ça va me faire un premier double. Non, c'est pas un premier double, j'avais oublié Son Gohan, je l'ai déjà eu, donc ça fait déjà deux doubles. C'est le quatrième pack et cette fois j'espère qu'on va pas avoir de double puisque du coup ça me fait 4 cartes manquantes, hein. Allez, nous avons en première carte Son Gohan, explosion offensive que nous venons de justement d'avoir en double en version brillante. Broly, on l'a vu plusieurs fois. Janemba, l'épée démoniaque. Dragon Radar, elle est magnifique. Mecha Freezer, le clan de la terreur. Attaque surprise du roi Vegeta. Et à la fin, nous avons Son Goku Pacificateur. Magnifique, c'est la P074 PR. Très 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 belle carte de Son Goku en mode Xeno, hein. On a l'habitude de le voir comme ça sur les cartes Super Dragon Ball Heroes. Et derrière, nous avons anticipation de Hit, la carte 008 SR de la TB1. Je vérifie du coup, puisque j'ai pas trop de mémoire, est-ce que je les ai déjà eu? Eh bien non, je ne les ai pas eu. Cette fois-ci, c'est deux nouvelles cartes que je vais mettre immédiatement sous protection, évidemment. On attaque la seconde moitié de cette ouverture avec le cinquième booster. Sur cette première carte, nous avons Haricot Magique. Ensuite, Fou, le scientifique. Super C17, la machine infernale. Kinto Un, celle-ci, j'espère vraiment que je vais l'avoir en mode variante. Yamcha, en quête d'allié. Objection, KB Saiyan, en numéro BT1014 commune. Donc voici la première carte brillante de ce paquet. Et derrière, nous avons Boule à une étoile. Magnifique, le petit Krilin avec sa petite boule de cristal. J'adore, j'adore, j'adore. Normalement, les deux ici, je ne les ai pas. Je vous le confirme, ces deux cartes-là, je ne les ai pas. Ce qui fait que j'arrive à la moitié du full set des cartes brillantes. Ça m'en fait 10 sur 20. Sixième premium pack. Honnêtement, j'aime bien cette petite ouverture-là. Les cartes brillantes sont magnifiques. Allez, cette fois, nous avons Mecha Freezer, le clan de la terreur, sur la première carte. Le paquet est ouvert et nous pouvons découvrir la suite des cartes avec Janemba, l'épée démoniaque. Dragon Radar, l'attaque surprise du roi Vegeta. Contrainte de Whis, Kame Sennin, technique aguerrie. Super C17, la machine infernale sur cette première carte brillante, c'est la P080PR. Magnifique le C17. Et derrière, nous avons, oh génial, Kinto Un, je la voulais absolument. La BT304 commune, j'adore cette carte. Magnifique le petit Gohan sur l'épaule à Goku avec les petits nuages comme ça qui brillent. Génial, je suis trop content. Et le full set passe à 12 cartes sur 20. C'est l'avant-dernier déjà, ça va très vite. Et nous avons Yamcha sur la première carte. Allez Yamcha, dis-moi qu'à l'arrière de ce paquet, il y a des cartes que je ne possède pas. Alors Yamcha en quête d'allié, nous avons ensuite objection de Jaco. Anticipation de Hit, Son Goku pacificateur. Freezer, l'invasion du mal. KB, collaboration entre Saiyan et nous découvrons contrainte de Whis. Donc de mémoire, je ne l'ai pas. C'est la BT1055 commune. Et derrière Whis, nous avons, oh, Kame Sennin, technique aguerrie. C'est la TB1076 peu commune. Alors l'effet brillant, on a un petit peu de mal à le voir. Ils auraient pu en rajouter un petit peu plus. Mais ça n'empêche que le visuel est quand même très canon. Et nous en sommes à 14 cartes sur 20, les gars. C'est déjà le dernier premium pack. Donc j'espère que là, on va pas avoir de cartes en double. Ce serait bien de finir en beauté. Et sur le début de ce booster, nous avons Super C17, la machine infernale. Allez, allez, je croise les doigts pour qu'on ait de belles cartes qui ne sont pas en double sur la fin de cette ouverture. Yamcha en quête d'allié, objection, Freezer, KB, Mecha Freezer en avant-dernière carte. Freezer, le clan de la terreur, c'est la P008PR. Alors je sais plus si je l'ai ou pas, on va vérifier de toute façon. Et derrière Mecha Freezer, nous avons, oh, Janemba, l'épée démoniaque, comme elle est belle, elle est magnifique, c'est la P078PR, elle est splendide. J'adore, magnifique, magnifique, magnifique. Bon, je vérifie, mais normalement, je ne les ai pas. Les amis, je ne les ai pas, ce qui veut dire que sur l'ouverture, j'ai eu seulement deux doubles, et ça, je suis super content. Donc, au final, il me manque seulement 4 cartes sur les 20. Je suis vraiment très, très content. C'est une très belle ouverture. Pour aller un petit peu plus loin dans le détail, j'ai récupéré les cartes originales de toutes ces cartes qu'on vient de voir. KB Saiyan, vous voyez, c'est la carte originale, la BT1
0.14 commune, et bien là, nous avons eu du coup la variante en normal, hein, dans l'ouverture de ces boosters, plus la version foil. Vous voyez, l'original n'a rien à voir, si ce n'est que c'est la même carte, hein, sur la référence et les mêmes attaques. Donc on a la variante de l'original. Ensuite, nous avons objection de Jaco, la BT1052 commune, donc ça, c'est l'original. Là, il y a la variante, et là, la variante de la variante avec les effets de brillance. Bon, maintenant, je pense que vous avez compris, ça, c'est l'original. La variante et la variante variante. L'original contrainte de Whis, la BT1055 commune. Nous avons la variante juste derrière. Vous voyez, le visuel n'a absolument rien à voir. Et sa version brillante. Kinto Un, la fameuse carte que je tenais absolument à avoir en effet brillant. C'est la BT304 commune. Et vous voyez une fois de plus, le visuel est complètement différent. Il y a Gohan qui apparaît alors que pas du tout ici. Donc vraiment... très très belle carte, et là nous l'avons avec les effets de brillance, hein. Bon, un petit peu léger, c'est dommage qu'il n'y en ait pas un petit peu plus. Anticipation de hit, donc ça c'est la carte originale. Bon, déjà il y a pas mal d'effets puisque c'était une carte SR, hein, de base. Donc là on découvre sa carte variante mais en effet normal, et sa carte version effet foil. Pour la carte Kame Sennin Technique Aguerrie, c'est encore plus spécial. Vous voyez là, c'est la carte peu commune de la TB1 076, mais elle existait également déjà en variante avec sa version foil. Mais du coup, il y a une variante avec cette collection, Kame Sennin Technique Aguerrie, avec le nouveau visuel et en plus la version brillante. Donc celle-ci existe en 4 exemplaires. Cette fois-ci, c'est les variantes des cartes promotionnelles. Donc là, je ne les ai pas toutes, hein, puisqu'il me manque pas mal de cartes promo. Mecha Freezer, le clan de la terreur. Donc ça, c'est l'original, hein, c'est la carte promotionnelle 008PR. Et donc du coup, on a eu cette fois-ci les variantes, donc en mode normal et en mode foil. Pour Broly, j'ai également l'original, hein, Broly, l'évolution incontrôlable, c'est la P033PR, donc carte originale, carte variante et carte variante brillante. Malheureusement, pour Fou le scientifique, je ne possède pas la carte originale, donc si quelqu'un l'a en trop, ça m'intéresse. C'est la P035PR, celle-ci, honnêtement, je la trouve mais splendide. Même sans les effets, elle est à tomber. Et en plus avec les effets, donc là, rien à dire, franchement, c'est une très 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 belle carte. Sangohan, explosion offensive, alors celle-ci non plus, je ne l'ai pas en original, pareil, si vous l'avez, ça m'intéresse, c'est la P049PR. Pour Sangoku, pacificateur, la P074PR, celle-ci, c'est l'original, donc c'est la carte promotionnelle, avec sa variante en commune et sa variante en effet de brillance. Yamcha, enquête d'alliés, je possède l'original, la P077PR. Et nous avons, vous voyez là vraiment une fois de plus, un visuel mais complètement différent, qui est très sympa. Alors pour le coup, elle était très bien aussi, hein, la promotionnelle, mais là c'est vachement plus travaillé, c'est très original, et donc la version brillante. Janemba, l'épée démoniaque, ici c'est l'original, la P078PR, avec ses variantes communes et brillantes. Pour Super C17, je ne possède pas l'original, c'est la P080PR, donc ça vous les avez vus tout à l'heure. Et également pour la boule à une étoile de Krillin, je ne possède pas l'original. Une ouverture plutôt sympa, hein. Franchement seulement 2 doubles avec les 8 paquets, je suis très content, il m'en manque seulement 4, je pense que je vais réussir à les choper. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire, l'année 2020 commence, il faut que ça démarre sur les chapeaux de roue, il faut que vous soyez à gaver à me suivre. Allez, abonnez-vous et pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo sur YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !